Sénateur Garcia Delva n'a pas dormi. Nous connaissons le président Jovenel Moïse et il était pris en décision après que il était fin constaté que 50e législature là, ensemble avec deux tiers dans le Parlement, et même il était caduc, et il était pris en décision pour être capable de prendre l'argent qui était affecté à la Chambre des députés et sénateur ça a touché, pour être capable de faire construire et dislisser à travers tout le pays. Et mes sénateurs Garcia Delva, qui voit que le département ne parle pas joindre, et gagner 5 communes dans le département par là qui n'ont pas gagné lycée, et bien il écrit une lettre à président Jovenel Moïse pour le capable réclamer l'argent et député qui était dans le département ça, qui mandat au fini, et des sénateurs et dans le département ça, qui c'est Yuri La Tortue, ensemble avec Karl Murat Cantave, qui c'est des sénateurs et dans le département de la Tibonie. Eh bien, il voulait pour le président lui-même, il est capable de désaffecter dans le ça, que lui-même était destiné pour capable de construire des lycées dans l'autre département, pour capable de construire des lycées pour lui, dans ces communes ça, qui n'ont pas gagné, et lycée. Nous parlons tant de lettres là que. Et Louko Désir, pour lui-même, il pourra lire ça que Garcia Delva voué par le président. Et après, nous pourrons gagner Garcia Delva qui pourra décortiquer et bien fonder les décisions que lui-même il pourra. Entendez, Louko Désir, lui-même qui pourra lire ça. Et puis après, nous pourrons gagner Garcia Delva qui pourra l'expliquer. En suivant ça. Ok, nous avons deux points qui ont marié, qui ont François Lepoint. Haïti politique, le sénateur Garcia Delva écrit au président de la République. Et lui demande de tenir compte, en fait, de leur Tibonite. Donc, ça, c'est une lettre que l'a adressée au président Jovenel Moïse. Donc, on a marié avec l'autre point qui c'est le sénateur Jean-Renel Senatus, Jepi et Chérubin et Jean-Marie Salomon attaquent en justice le président Jovenel Moïse et le député Jude Charles Faustin. Et donc, à quoi peut-on s'attendre? On a pris deux points, ça, on a fait pratiquement un seul point. Et le sénateur Garcia Delva est donc déjà en studio. Sénateur Garcia Delva, bienvenue à l'émission de débat, nous comptons recevoir. C'est un plaisir pour moi, ça m'a fait de l'eau. Je salue Tijon, je salue les collègues, toute équipe. Matin débat. Mm-hmm. En forme, bonne année. Je suis content avec vous, matin. Tout pays, on va le faire tous ensemble. Très bien. Ok, Garcia Delva, avant de rentrer dans la question, on nous regarde d'abord. Et où a son lettre au président Jovenel Moïse. Mm-hmm. Alors, on va me garder lettre là, et puis nous pourrons justement rentrer dans le détail. Et lettre de Garcia Delva, le sénateur Garcia Delva, donc qui adresse au président Jovenel Moïse. Ok. Dans une correspondance qui datait du 15 janvier 2020, madame, messieurs. Monsieur et son Excellence Jovenel Moïse, président de la République et Palais National, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous adresser mes compliments et tiens par la présente à vous exposer ce qui suit. J'ai pris connaissance par voie de presse de votre décision de réaffecter la partie du budget et du corps législatif alloué aux 117 députés et 19 sénateurs dont les mandats arrivent à terme à celui du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En effet, dans votre point de presse donné au Palais national en date du 13 janvier 2020, et vous avez pris le soin de préciser que ce montant estimé à 1 160 173 176 goudes et sera donc utilisé et pour la construction de 10 lycées à travers les départements de l'Ouest, du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Les départements de l'Ouest et du Nord-Est et à eux deux bénéficient de 7 lycées. Monsieur le Président, j'ai été surpris de constater que le département de l'Artibonite, que je représente au sein du Sénat de la République, n'est pas pris en compte parmi les bénéficiaires et de votre décision. Or, ce département figure au deuxième rang en termes de démographique et au premier rang en matière de superficie dans le pays. En plus, les études réalisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle bénéficient de 7 lycées. Monsieur le Président, j'ai été surpris de constater que le département de l'Artibonite, que
qui se représente au sein du Sénat de la République n'est pas prise en compte parmi les bénéficiaires de votre décision. Or, ce département figure au deuxième rang en termes de démographique et au premier rang en matière de superficie dans le pays. En plus, les études réalisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur ce département font état de beaucoup de problèmes dans ce secteur. Sur les 17 communes, et pas moins de 5 sont dépourvues de lycées. Ainsi aussi, je vous invite à reconsidérer cette repartition tout en réaffectant la part du budget, correspondant aux 14 députés et 2 sénateurs de l'Artibonite à la construction de 2 lycées dans ce département. Donc c'est la lettre en fait qui porte la signature du sénateur Gassan Elva, donc adressée au président de la République. Qui leur pensait que, alors on estimait que aujourd'hui, hein, la décision que le président prend pour réaffecter l'argent qui était destiné justement à députer également 19 sénateurs pour qu'on se dise, ou estimait que la Tibonite a dû gagner de lycée là-dedans. Bon, et pour moi, c'est que nous saluons la décision que le président de la République là, les prend. Moi, je pense que c'est une très bonne décision parce que c'est un COP qu'il a pour une institution qui est dysfonctionnelle. Le président de la République là, il réfléchit vraiment peut-être avec priorité avec besoin de penser que le pays a gagné un programme qu'il a gagné ou bien dans la dette politique ou bien dans la promesse qu'elle a fait et il choisit et pour comme ça, il désaffecte pour le mettre au niveau ministère de l'Éducation nationale qui a créé des lycées. C'est des dettes politiques que je voulais me dire. Non, je ne dis pas ça. Vous avez dit ça, oui, là. L'autre dit dette politique. Elle dit que réaffectation, c'est parce que le dégât des dettes politiques dans le département Sayo, de découvrir en fait au fruit de Sayo, justement pour capable de répondre à la question. Non. Et vous saluez ? Moi, salue. Moi, salue décision, ma petite Sanzé, exactement. Moi, salue décision, président, que le prend pour que son corps lui affecte comme là. Parce que il y a un problème secteur, ça, son problème, c'est un tragique problème là-dedans. On revient peut-être pour programmer, pour dette politique, pour mettre ce qu'elle t'a fait, m'apprécier ça. Mais je ne sais pas, son corps qu'il a pour institution, parce que qui c'est député, chambre des députés. Moi-même, en tant que sénateur de la République, nous disons clair dans la lettre là, en termes de superficie. Et tout le monde connaît le département de la Tibonite, c'est le même qui est plus grand. Et nous avons moins que le département de l'Ouest. Okay? Parce que c'est ça tout étudiant. Mais nous avons 14 députés qui parlent là. Moi, j'ai 2 sénateurs qui parlent là. Mais l'homme garde, si je prends un discours président Jovenel, là, et appréciation que j'ai pour le discours, hein, et pour ne pas apprécier le discours en tout, et m'a gardé tête en tout en tant que sénateur de la République. Et puis, je comprends la question, je dis comme ça que l'homme font calcul de 15 députés parmi eux qui sont sénateurs de battre maintenant, avec 2 sénateurs, moi avec un café 3 lycées. Pendant que je suis un département qui a 5 communes jusqu'à présent qui n'ont pas de lycée. Et ça a un lycée, il y a besoin de réhabiliter. Ça a un lycée, côté de lycée, c'est côté de lycée depuis sous président Aristide. Il y a côté de lycée, c'est depuis sous Prival, par exemple, Marché des Salines. C'est depuis sous président Préval, sur le lycée qui besoin de réhabiliter. L'Esther, c'est depuis sous Préval. Ok? Elle veut dire que moi, ça interpelle pour que moi, rappeler le président Jovenel, et moi, en tant que monde qui représentait le département de la Tibonite, et pour que l'État reconsidère et pour lui regarder comment que dans cette commune que moi gagne dans le département Pamna, qui n'est pas le lycée, pour que nous capables de faire. Donc on ne pas un problème avec logique de réaffectation. C'est pas logique ça m'y est. Mais ça pour le problème PAM, c'est que c'est pas un COP qui était dans. Ils ont budget. C'est un COP, ils ont désaffecté. Et le président Jovenel est désaffecté parce que comme ça, son COP qui était là pour les députés en fonction. Mais moi-même, on m'a demandé pour les députés parmi tout, pour commune, pour le département parmi nous. Alors, sans table, dit ça. Et l'agent député que lui-même lui prend, parce que c'est comme député, comme sénateur, c'est ça. Bon. Maintenant, la Tibonite a 14 députés. Donc c'est comme ça, on réclame au même. C'est besoin. Avec des sénateurs. Non, réclamez pour le département. Parce que c'est une commune qui n'a pas gagné lycée. Est-ce que vous avez dit là? Parce que tout le monde entend de dire même la même chose. Non, mais je m'a parlé pour le peuple, je m'a parlé pour le centre, je m'a parlé pour le sud, je m'a parlé pour le sud-est. Parce que
l'homme parlait, c'est Haïti parlait, l'homme parlait, l'homme parlait langage que tout le monde comprenne, que n'a parlé depuis tout un existant, et nous, on comprenne l'autre. Eh bien, vous connaissez, vous critiquez le président pour cette démarche. Vous connaissez ça? Bon, moi-même, moi pas critiquer parce que c'est lycée, c'est éducation. Ça veut dire que, malgré que, moi-même, qui critique au capable faire, qui critique au capable dire, est-ce que vraiment, comme ça, on est qu'à mettre le lycée, mais est-ce qu'il y a besoin de créer plus lycée ou bien de besoin de payer professeur? Bon, voilà, professeur. Bah, que, en attendant, parce que, si on n'a pas les son secteur, il y a des problèmes. Ah, c'est pour quel lycée? C'est professeur qui parle dans le lycée. Comme tout, là, qu'on fait un move comme ça, sont très belles moves, sont moves politiques que moi-même, bah, bravo pour lui. Mais cependant, en tant que responsable politique, en tant que sénateur de la République, je me questionne dans ce sens pour me dire que en tant qu'allié tout, allié, en tant qu'allié, pouvoir, les qui fait campagne président, les qui campent, les qui pas besoin de couilles qui campent. Mais cependant, la tibonite est importante pour moi. C'est la tibonite qui lie tout ça, m'a parlé là, toute alliance que nous avons. C'est la tibonite qui lie. Ça veut dire que moi, parce que dans tout le monde que je raconte sous mais ceux qui sont politiques, et tout ça qui vient à voir, c'est la tibonite. Et tout ça que vous faites d'accord avec et tout ça, et chaque fois que je me sens la tibonite, chaque fois que je me sens ça, mettez-moi ça avec vous, moi que, ou par vous, je suis ma plus rappelé. Ça me passait que sénateur ça. Sénateur Gasson, avec qui sentiment quoi vivre aujourd'hui, et ça qui a passé là dans le pays avec le sénateur de la République. Déjà, Mamdo, il y a un président qui constate caducité, donc le Parlement, ouais, tout débat qui gagne, donc sous question caducité, hein, et la police empêchait le sénateur hein, donc rentrer. Et donc dans l'ancienne Sénat, et, mais il y a un groupe de sénateurs, de trois sénateurs aujourd'hui, qui attaquaient en fait le président Jovenel Moïse, donc la justice, et au niveau de la population, donc l'opinion n'est pas favorable au sénateur, en particulier au même qui est sénateur de la République également, avec qui sentiment qu'on a vu tout le bazar. Bon, si vous posez des questions, mais il n'y a pas quelques questions là-dedans. Pour résumer, moi-même, la position pas me poser que c'est PA là. Tout le monde là, il y a 4 ans, c'est tout problème qui vient là, parce que si c'est PA là, nous ne pouvons pas gagner dans CPA coup, il faut que nous ne pouvons pas dire la donne. Nous ne pouvons pas dire la donne. Ça, c'est le premier, logique pas. Deuxième bagage, vous parlez de sénateur qui va entrer, mais ça qui est important pour moi, c'est l'institution. Ça veut dire que ça qui est important pour moi, c'est travail pour me travailler. Qui ça qui a fait mon travail? C'est 30 sénateurs. C'est 16 sénateurs pour moi. L'homme qui a 10 sénateurs, je ne pas de travail. Ça n'est pas important pour moi. Je ne suis pas inscrit dans le monde qui prend plaisir parce que je suis des sénateurs qui ont des opinions contraires ensemble avec eux, que je n'ai pas même idéologie politique avec eux, que je ne comprends pas le pays même avec eux, que je n'ai pas même stratégie avec eux. Je ne dis pas sénateur pour me venir battre bravo. Non. Gassé Delva, je veux l'institution campée. C'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire, je dis à me comprendre qu'il faut qu'il y ait élection dans le pays. Moi, c'est la logique pour moi. Je ne suis pas réfléchi, je ne pas faire partie de monde qui n'a pas de bravo parce qu'il est sénateur qui parle là. Mais parce que faut institution campée, faut que ce sénateur, le pas gagner ce sénateur, pas gagner institution. C'est ça qui est important. Eh bien, quand on campé dans la décision Jovenel Moïse là, quand on campé la donne. Bon, c'est. Et ça me dit, c'est que c'est CPA. Moi-même, si on est institution qui me croit, je pense que CPA est là. Il faut que je parle pour le dire. Parce que si c'est là, si c'est là, je ne vais pas le dire. Comme Haïti, son paquet de pélégains, tout est contre toute bagarre, monter dans la radio, tout est entré dans toute bagarre, tout est dit ça au passé. Parce que son paquet de pélé, tout est pélé dans toute bagarre. Haïti, tout est contre toute bagarre net. Mais non, pendant cette CPA là, pendant ce CPA là, et puis je me dis que c'est lui pour répondre. Même pas pélé. Parce que CPA là, c'est lui qui fait l'élection, c'est lui qui connaît les résultats, c'est lui pour dire, pour le trancher. Bah nous tiens information. Il y a où tu n'as pas le mot, pas vrai? Bon, je ne parle pas, c'est travail, moi, c'est là. Non, t'es là hier. T'es là, je ne travaille là, c'est travail, moi. Ok, parfait. Est-ce que le sénateur a pris un bagaille, donc, il fait effet, donc, dans le bureau? Ou t'es assisté, ça, toi, ça? Moi-même, je suis dans le bureau, le matin, je suis dans le bureau, parce que. Ouais, ça d'accord, ça d'accord. Je suis dans le bureau, t'as plusieurs, moi, qui sont là, c'est bonnet, parce que, réflexion que je fais à l'être, là, je suis sorti, t'as réfléchi avec un peu l'organisation, les planteurs, avec un pile, moi, la tibonite. Et nous avons réfléchi, équipe politiquement, nous avons réfléchi vraiment sous déclaration du président Jovenel, et surtout avec le comportement que nous avons avec le président Jovenel, avec façon que moi, et puis, nous avons réfléchi au comportement que nous avons avec le président Jovenel, avec la Tibonite, et comment que pour nous, je n'ai pas de réfléchir avec l'équipe politique. Mais ok, on allait. Il y a un point qui a fait débat aujourd'hui. D'ailleurs, nous étions le matin, dans l'émission matin débat, c'est la question des fonds départementaux. C'est sûr que comme sénateur qu'on est. Oui. Alors, fonds départementaux, nous avons 3 ans qui nous touchent là, ouais. Bon,
non pas touché, non pas pour nous toucher le tout. Ok. Et nous. Bah, nous, tu fais décision sur ça comme tu l'as dit. Ouais, en plus, fois, nègre prend plaisir, toujours nègre prend plaisir, surtout nègre politique pays, qui prend plaisir à dénigrer une institution, tant qu'au Parlement, et vraiment qui a faiblesse. Musique haïtienne a une faiblesse, tout, vous comprenez, tout le monde a une faiblesse. Et puis, qui pas jamais voulu la réalité. Hein. Ouais. Elle dit que le sénateur n'a pas gagné pour lui avec le fonds de département. Il n'a pas gagné pour lui avec le fonds. Il n'a pas gagné pour le chevoir comme là. Okay. Son copain qui n'a pas budget, le sénateur a gagné juste sous lui. Okay. Comme son copain qui n'a pas budget, le sénateur a gagné juste sous lui. Le sénateur était en campagne. Le sénateur était fait campagne, même avec tout le monde. Le sénateur, elle a fait campagne, depuis qu'elle a fait campagne, il y a un constat qu'il a fait. Il y a des côtés qu'il a fait, il y a des problèmes. Mais ancien sénateur, ancien député qui l'a. Monsieur comprenne ça. Ils comprennent qu'il y a des problèmes qu'on député gagne ou bien un sénateur gagne. Non simplement gagne juste sous lui. Moi-même, je n'ai pas mis en campagne. Moi, je suis dans la campagne, je suis Michel de la Talaye. Et moi, je comprends que l'homme est étalissé à terre. Moi, je dis équipe politique, moi, je n'ai pas fait promesse. Mais je n'ai pas fait de lycée. C'est comme ça, tu es bon, monsieur le lycée. Je ne suis pas trop bon. Je ne suis pas la guerre. Je suis exactement ça. Débloquer comme là. Non, il débloquer comme là avec film qui fait comme là. Et le sang comme là, la policière. Et je dis. Donc 25 millions de gouttes, ça qui était. Ça, même, non, pas 25 millions, ça c'est 10 millions de gouttes. 10 millions. C'est depuis la première année qui m'était rentré. Le budget rectificatif qui était année 2017-2018. Okay. Mais jusqu'à présent, 25 millions qui gagnent, jusqu'à présent, nous pas jamais recevoir. Mais il y a des projets. Mais où est-ce que 10 millions là-dedans? Non, pas retirer 10 millions, non. Magistrat. Oui, oui, justement, démarche complète. Non, on est moyen. Comme si on est moyen. Maintenant, ou encourager magistrat ou accompagner magistrat pour débloquer 10 millions dans 25 millions qui n'a pas 25 millions. Non, 10 millions parce que mon sénateur 2016-2017. Correct. 2016-2017, non pas de 25 millions, c'était 10 millions parce que c'était budget rectificatif, c'était le même budget qui a conduit. C'était 10 millions qu'elle était. Okay. Et le ça, non même, on te permettre que. Et c'est Michel de la Talaye. Et je dis à 25 millions qu'il y a pour faire là, m'a dit que c'est un marché qui doit faire sur les 25 millions. Avec 25 millions sur des jeans. Et nous avons une place publique lié coup. C'est ça que nous avons 25 millions. Et l'Esther que nous avons une place publique qui doit faire là-dedans. Mais jusqu'à présent, pourquoi faire? Jusqu'à présent, pourquoi faire? Et magistrat, bon, la Cunha, c'est des rôles quelques faire. Parce que moi-même, je travaille avec collectivité. Je travaille, j'ai une formule que je travaille. Je connais les limites, moi-même, je connais ça, je dois faire. Ok, sénateur Gerson Delva, en termes de bilan, je dis à où, en fait, nous pratiquons dans la fin 50e an, c'est sûr que le fini, et où vous censé gagner un mandat jusqu'à 2023, ou après temps 51e an. Maintenant, et avec qui sentiment que vous avez terminé 50e an, ou terminé 50e an comme sénateur? Pas quoi que le Haïtien haïtien a terminé en quel sentiment. Ça veut dire que puis chercher équilibre là même puis qu'à battre tu mets mon bilan. Ou fier du fait que tu es non m'pas quoi grand qu'un haïtien je dis vraiment quel que soit dans le secteur côté l'il qu'à battre tu au bilan parce que ou pas qu'à gagner bilan ou côté contre société saccagée ou pas qu'à gagner bilan côté côté société divisée côté une a déchiré l'autre ou pas qu'à gagner bilan côté pas de stabilité politique qui bilan que pas gagner on ne va pas aller de bilan tout le monde qu'à battre tu menti mais fier parce que comme sénateur me faire comme sénateur de la République pour que pendant 50e an me suive m'apprenne que me comprenne et puis moi il y a des monde et moi il y a des qui peut chaque nèg programme pas chaque nèg a fait pas une poche yo et m'a comprendre pays en plus m'a observer m'a continuer observer en tant qu'artiste toujours avec j'ai artiste là et qui toujours apprêté tout pour population et moi ça capacité moi grand pile nèg qui monte sur deux peuples là moi grand pile nèg sur deux peuples là c'est pas peuple là marcher et m'a pas le courir parler de tête mais parce que je dis à grand pile nèg je sais capable parler de tout problème peuple là et puis avoir 30 ans m'a venir là pour me parler de tout problème peuple là m'ai 10 ans et quelque part m'la donne tout parce que m'ai 10 ans actif dans politique là et je dis que je dis à moi qui ai 30 qui ai 20 ans et puis à 50 ans il a fait politique il a parlé toujours des problèmes de ces peuple là moi c'est là il pas réfléchi bien moi c'est là faut discours ça fini moi c'est que 2021 faut faire bagarre l'autre gens faut réfléchir faut garder l'autre discours politique faut que nous d'accord que garder l'autre leader qui doit émerger parce que problème social yo là problème yo là tout problème yo là gon l'autre gens pour n'aborder façon de s'aborder semaine passée 2019 là pas bon et là nous prend bon gens pour n'aborder là moi suis que grand pile monde que nous pas ta penser moi suis que grand pile monde qui pas la donne parce que c'est des problèmes qui important que et nous même c'est des problèmes que n'a vivre depuis me fait que m'a vivre yo ça veut dire que m'a vivre yo m'a fait m'a vivre yo me grandi la donne moi la donne me chanter la donne je dis à me député me sénateur la donne sauf même bon gens pour m'aborder m'a pas la donne dans caser mais yo là
Mais parce que 2020, qui fait une bataille et dans le fond intérieur, avec conscience, ou qu'a dit qu'on menait pendant que le sénateur dans la 50e législature. Et puis une bataille. Puis une bataille que menait. Dans l'attribution, qui oui, s'est laissé filer oui, contrôlé. Parce que là, je parle des sénateurs moi-même, je ne parle de ça qui s'est passé dans la radio. Je ne parle de combien je parle dans la radio. Zéro. Si je parle, je parle. Mais ça n'est pas important pour moi, parce que je ne parle pas de la radio. Je ne parle pas de sénateur pour venir parler en pile. Je ne parle pas de ce qui était contrôlé, légiféré. Je suis fier, parce que même si tu as une stabilité politique, tu as une loi qui était sous culture, que tu as gagné depuis l'homme des députés. Et là, et loi ça, tu as une chance qu'il était voté dans le Sénat et il était arrivé jeune exécutif. Peut-être que pour le publier, qui peut permettre qu'il en vigueur. Ça, déjà, pour moi, c'est ça me dégaine comme attribution. Je ne vais pas attribution pour me faire le bail qui est légiféré. Pour moi, moi, légiféré. Moi, je crois que moi, fais ça, me faire. Même pas de cas, fais contrôle, mais parce que tu as une stabilité politique. Et je dis encore, moi, je suis peuple haïtien, moi, je suis que mon Latibonite, je toujours respecté tête, moi, je toujours reconnaître moi en tant que sénateur de Latibonite. Et ça qui fait que je me fais un appel avec le président Jovenel Jodian pour me dire, président Jovenel, c'est pas lui seulement qui est le Jodian. Sénateur qui est là-haut, c'est pas. Le problème que nous avons, mais c'est justement, nous devons vous un signal pour le peuple haïtien, pour tout le monde que le Sénat républicain existait et pour contrôle, on a toujours fait. C'est pas parce que nous, on s'en va ensemble, mais le département, nous faut respecter le côté que vous voulez. Sénateur Gassan Elva, dossier kidnapping Jean-Noël Michel. Ça va, Esaïe. Bon. Tout ce qu'on aime dire déjà là, dans le micro, ça, et même la galère. Même tout ce qu'on aime dire, nous allons dire. Nous allons et pour l'édification de la population, pour l'histoire et la vérité. Le dossier de kidnapping Jean-Noël Michel Salier. Logo, théâtre l'a fini. J'ai l'a fini. Le premier mi-temps fini, il y a un premier mi-temps déjà. Quand il y a un deuxième mi-temps, premier mi-temps, c'était pas dans la radio, la justice pas faite dans la radio. Comme si théâtre, mais tu as fait faire théâtre avec tout. Même son acteur, son grand chef, depuis petit monde. Oui, mais ça, c'est théâtre. Depuis petit monde, je fais théâtre. Elle dit, je t'ai dit tout est honnête. Quand il y a les sérieux, la justice, tout le monde connaît pas fait dans la radio. Point bas, m'a m'a dit souligné. Non, mais grand détail qui est important, et Gassan Elva, c'est que. Qui ça? Non, donc grand détail qui est important, sans question, en fait, sous question ordonnance juge là. Ah ouais, ça sur l'autre. Sous question, non, c'est deux questions, ça sur l'autre question. On nous était sur ordonnance juge là qui dit qu'il y a retracé le numéro de téléphone, donc non, appel qui vient. Non, juge là, pourquoi ordonnance, ça c'est une égo qui a interprété. Ok. Juge là, font bagage institutionnel. En tant que sénateur, ils font processus normal. Il écrit le président. Il écrit le président. Non, pas même ballon, il écrit, mais c'est de la justice. Parce que monsieur Paca. Et puis je suis bien content tout parce que moi je commence à faire négocier mes sénateurs. Moi je commence à faire tout négocier mes militaires parce qu'il n'y a pas de chambal, même pas de chambal. Je ne suis pas couru. Elle dit moi là, je suis disposé, disponible déjà. Depuis un autre que je me dis. Elle dit que je dis, je vais le juger à n'importe qui là. À n'importe qui l'aime disposé, moi le juge là. Il faut moi juge là. Et il faut la justice payer, me dit ça, le penser de moi. Je vais appeler la justice en tant que leader. Si je fais la justice, comment que je vais faire bataille, qu'a fait pour les qui sont en prison, il avait dit que je ne disais pas jamais juger. Pour combien de qui sont innocents en prison, combien de fois. Donc c'est un montage que tu as fait. C'est un montage que tu as fait. Il avait dit que je disais, je ne vais pas parler de montage encore parce que nous sommes de la partie encore. Parce que je dis là, c'est là que le juge a gagné mon pas attendu. Il n'y a pas le temps de me bagarre détail. M'a baillé sur sa capacité. Simplement, je vais dire tout haïtien, ça n'est pas écrit parce qu'on écrit, c'est gros français qu'on a parlé de lever minute, pas de bail comme ça, comme on a fait lever minute. Il faut me dire un vrai sénateur, même un vrai sénateur. Si j'en ai dit, je ne vais pas dire ça. Il faut faire des complots, il faut faire des affaires, des jalousies, il faut faire des politiques, il faut faire des affaires. Mais pas ne pas arriver sous moi, je vais appeler la justice moi-même. Elle me dit que payer pour ça me fait, je m'habitue à payer pour ça me fait déjà. Ouais. Et je dis, je ne peux pas ici, je ne peux pas payer pour ça me fait. À part son goût artiste, à part mon masque, qui a 17 ans, il me toujours dit, je me toujours fier de tête, moi, qui pas, et je partage moi, on est dans le placement, qui pas j'aime vraiment qu'à évoluer aux États-Unis. Parce que faut me payer. Non, que, on n'a pas aucune invitation là. Non, je parle d'artisme. Parce que l'aime dans un grain d'apéclaté, il faut me devenir, il faut me devenir. Et puis, je fais des bagues, je vais me payer pour lui. Et je me campe et me goûter. Elle veut dire que quand je bat à la vie, elle a un bon problème. Elle sont madame Bézolé. Mais je dis à me penser que et son très bon mouvement, il faut la justice payer. Je me dis ça, elle pense de moi. Tout simplement, moi, je crois que l'homme sorti. Donc, vous parlez pour la justice. Oh, à mon cher. Avec ou sans immunité. Avec ou sans immunité, mon cher. Sans immunité, bon, je me dis que t'as dit longtemps déjà, ça me fait immunité à mon cher, la justice. Eh bien. Pas besoin. Non. Pas besoin d'immunité, la justice, mon frère. C'est la terre qu'on est pas. Pas besoin de passer. Qui ça? Parle avec au monde. On parle avec. Avec d'ailleurs, première ordonnance, ça nous était clair sur lui déjà, théâtre de faire. S'il est suggéré, juge là, je n'ai pas de compte moi-même, je n'ai pas de compte. Je n'ai pas de monde qui fait plainte contre moi. Je n'ai pas de monde qui fait plainte contre moi. Bon,
n'a pas fait affaire, je suggère le juge pour le tandem, le juge là, en tant que sénateur de la République, lui propose une procédure, façon que vous invitez un sénateur ou bien un député ou bien n'importe qui monde qui gagne une immunité parlementaire. C'est-à-dire bon gens pour que vous invitez à la justice. Et c'est dans votre salier, et c'est dans bon route là, Noé. C'est dans bon route là. C'est dans votre vérité à Noé, je dis. Eh bien, ok. Gagnez trois sénateurs, après justement, donc. Et président Jovenel Moïse fin constater caducité donc et parlement. Il y a trois sénateurs je dis qui attaquaient donc président Jovenel Moïse en justice. Comment interpréter ça? Donc le sénateur Renel et Sénatus et sénateur Salomon, sénateur Djibril Chérubin. En général, général sénateur Salomon. Oui. Ouais. Bon, c'est doit pas eux. Ouais. Non mais c'est le même mandat pour finir. C'est doit pas eux. Que ce mandat, je ne vais pas parler de mandat. Je vais appeler moi-même. Je vais faire l'élection. Ici, je vais faire l'élection. Et le résultat. C'est un gars qui a appelé. Il n'a pas dans toute bagarre. Je vais appeler. C'est un résultat. Il a résultat. Mon problème, élection. Pour CP, 10 salariés, il y a tout là. Il y a tout ce qu'on paye. Si c'est une peuple là, théâtre, si c'est une peuple là. Moi, je plus penser que c'est cour constitutionnel que tu as supposé prononcer sur ça. C'est ça. Pas gagné. Pas gagné. Vous comprenez? Pas gagné. Mais ça, moi, pour me dire non, là. Ça, je me dis, moi, Gassé Delva, position PAM, je pas prendre plaisir parce que je me dis sénateur, il y a des sénateurs, je dis à qui par sénateur, et puis, il n'y a pas là, et puis, je ne vais pas prendre plaisir. Non. Parce que si on est, il faut une institution, il faut une institution qui peut exister. Il faut gagner 19 sénateurs, il faut gagner 16 sénateurs, parce que c'est travail, que je travaille. Quel que soit. Façon comprendre, quelle que soit logique politique ou quel que soit programme ou bien idéologie politique ou quel que soit jamais, ça m'a intéressé, moi j'ai besoin de 19 sénateurs. Ça veut dire que faut gagner l'élection, moi c'est 10 sénateurs, moi j'ai besoin tout le monde qui est responsable pour mettre les sénateurs pour travail, faire l'élection d'un pays pour me jouer 13 sénateurs, pour me jouer 16-19 sénateurs pour me travailler. Comment allier du pouvoir? Je dis à Rob d'accord que PHK gagne tout bien, mais PHK gagne tout bien, le président Jovenel Moïse gagne tout pouvoir. Non, à qui ça ne garde nous? Est-ce que le président Jovenel gagne tout pouvoir? Non, quoi, président Jovenel gagne tout le pouvoir, non, mais parce que si on regarde tout le monde. Nous parler, qui conseille qu'on parle. Non, bah, quoi, non pas, c'est pas qu'on a même. On regarde tout le monde. Faut que, pas qu'il n'y ait pas de pouvoir. Parce que je disais, même si pas de parlement, mais le président n'a pas besoin de quoi. Pour permettre que le projet avance. Mais le tout le monde, ils ont que si nous pas gagner, si nous pas jouer un compromis, pas jouer un consensus entre nous, entre tout acteur, il n'y a pas de bail pour blanc. Je dis, il y a touché conscience, non. C'est ce qui a touché. Il a fait nous commencer à comprendre que. Et tout le temps, il est toujours là. Non, voulez pour derrière. Il y a qui dit, nous ne pouvons pas fonctionner sans eux. Et je dis, il y a touché conscience, non. Il voulait pour nous parler la tête, non. Et je dis, destin en main, non. Je dis, non, consacrer l'argent là. Mais en attendant, non. Parce que qui ça politique? Politique n'est pas gain l'autre définition. Il n'est pas gain l'autre définition qui c'est compromis. La vraie définition, c'est compromis tout le temps. Et chaque fois, faire politique, de ne pas d'accord pour faire compromis, pas qu'à faire politique. Nous sommes mafia politique, ou que bagaille pour régler. Monsieur Sisman fait mafia dans la politique là. Mettez nous ensemble pour faire un compromis. Oui, mais c'est chaque monde qui a responsabilité, je veux dire qui s'est adoué. Responsabilité, président Jovenel Moïse. Je parle à tout le monde. Est-ce que c'est encore invité opposition à venir sous table? Moi-même, je parle à tout le monde pour qu'ils mettent ensemble. Collègue comme sénateur dans la République, et nous se pose une question, alors moi m'apprêter la même question. Puisque USAID. Dit. Claire, c'est bien pour moi, c'est pas d'accord. Il pas d'accord. Maintenant, pas gagné. Ça m'a demandé, sénateur, et président Jovenel gagne 3 ans, ou même vous gagnez 3 ou 4 ans déjà, comme sénateur. Bon, même comme parlementaire. Non, sénateur. On parle de sénateur. Comme sénateur. Comme sénateur. Si je m'en pose là, c'est le même sénateur. Oui, maintenant, est-ce qu'on est au courant que USAID, pendant 3 ans, ça ou bien 3 ans, président Jovenel là, les bail président Jovenel ou bien gouvernement comme déjà? Non, mais bah au courant. Ok. Non mais. Bah, par contre, je suis au courant, même comme journaliste. Alors, c'est tout le monde a compris. Monsieur commentateur, c'est parce que alors, ça n'était besoin de garder. Hein. Bien. Si le président Jovenel gagne 3 ans, depuis l'élite, si Koulia là gagne, ils ont accompagnement officiel au niveau de politique. Bien. Bien. Cap Baila, au dit ambassade américain, Bini. Correct. Pendant 3 ans, qui cob qui te baille déjà? Qui fait que, parce que tout baille était normal, toute institution était normal. Pour qui ça, je dis, alors que États-Unis ou bien Nations Unies
gagne un accompagnement officiel au niveau politique. Qui a, ça veut dire président Jovenel nous dit c'est pas qu'à décider lui seul. Ouais, pas capable, non, c'est clair. Nous dit ça. Maintenant, pour qui ça je dis